Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pâtisserie et nous allons préparer des brioches individuelles aux perles de sucre. Allez, dans notre casserole, on met notre lait et notre levure. On mélange. Et on va laisser monter en température pour que la levure se dissoule. Voilà, la levure, c'est bon. On va couper notre plaque. Voilà. Allez, on commence par mettre la farine. On vient ajouter la pincée de sel. Voilà. Le sucre. Et on commence à mélanger. Il faut bien mélanger pour bien répartir le sel et le sucre. On va ajouter nos morceaux de beurre. Voilà, je coupe en morceaux. Pour ajouter notre lait avec notre levure. Allez, on va rajouter nos œufs. Et on mélange. Allez, on travaille bien. Et la texture change déjà. Donc maintenant, on va la travailler entre 7 et 10 minutes. Et elle colle de moins en moins au doigt. On voit bien que là, ça est vraiment en train de changer. Allez, encore 3-4 minutes et ça sera bon. Et voilà. Elle est à présent en cours et on laisse pousser pendant 40 minutes. C'est parti. Oui, on va voir notre pâte à brioche. Gonflé. Allez, on la dégaze. Voilà. Hop là. Je mets un peu de farine sur le plan de travail. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir s'occuper de notre pâte. Allez. On met un peu de farine. Voilà. On va faire bien. On va essayer de faire un rectangle. Voilà. Allez. Voilà.
qui revient, on ramène. Et on tourne. Et voilà. Allez, on met sur un papier sulfurisé. Allez, ça repart en pouce. À présent, je vais préparer ma dorure. Voilà. Pour jaune d'œuf, je vais mettre un petit peu de lait. Allez, on mélange bien. Voilà. À présent, on va pouvoir mettre la dorure. Et à présent, on va pouvoir mettre nos perles de sucre. Allez, hop, au four. Allez, on met au four. Allez, voyons voir. Et ben voilà, superbe. Et voilà, c'est prêt. Regardez ces belles brioches. On va se régaler, les amis. Elles sont superbes. Allez, on vous laisse. Nous, on passe à la dégustation. À bientôt. Pour la recette, nous avons utilisé 300 g de farine, 50 g de sucre, 40 g de beurre, 20 cl de lait, 2 œufs, 10 g de levure boulangère, une pincée de sel, un jaune d'œuf et 15 g de perles de sucre.